Vous êtes au bon rendez-vous, chers téléspectateurs, vous qui voulez avoir des informations concernant les marchés financiers. Vous êtes à Business Matin, spécial bourse. Et nous sommes là, chers téléspectateurs, pour vous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Et Monsieur Lodamas est avec nous. Nous serons là tout de suite après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais tantôt, Lodamas est avec nous. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Voilà, c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et je rappelle à toutes fins utiles que Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Voilà Lodamas, on commence maintenant avec les indices principaux. D'accord. Donc, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 226,77 à 224,33 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,08%. Le BRVM composite a emprunté cette même tendance. Il est passé de 255,55 à 252,9 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,04%. Et que nous disent les indices sectoriels? En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a progressé de 0,67%, le BRVM Service Public a trébuché de 0,84%, le BRVM Finance a baissé de 3,30%, le BRVM Transport s'est amélioré de 5,08%, le BRVM Agriculture a progressé de 0,74%, le BRVM Distribution a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,74% et le BRVM haute secteur est resté stable à 246,91 points. Voilà, on va s'intéresser à présent aux grandes variations. On va parler des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. D'accord. En ce qui concerne les plus fortes hausses, il faut noter que la plus importante progression hebdomadaire a été enregistrée sur la valeur SICOR Côte d'Ivoire qui a clôturé à 4165 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 15,53%. La valeur Tractafrique Motors Côte d'Ivoire est passée de 250 000 à 287 995 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 15,20%. Et le titre Solibra Côte d'Ivoire a clôturé à 139 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,92%. Voilà, Lodamas, après les trois plus fortes hausses, on enchaîne avec les trois plus fortes baisses, n'est-ce pas? D'accord. Donc, parlant des plus fortes régressions, il faut noter que le titre BOA Côte d'Ivoire a clôturé la semaine en affichant une cotation de 58 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 22,59%. La valeur Crown Siam Côte d'Ivoire est passée de 20 500 à 17 600 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14,15%. Et le titre Sicable Côte d'Ivoire est passé de 50 995 à 45 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 11,76%. Ok, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Alors, à notre sens, la première valeur à surveiller, c'est le titre SICOR Côte d'Ivoire. SICOR qui est la société ivoirienne de coco râpé. D'accord. En termes de performance boursière hebdomadaire, il faut savoir que le titre SICOR Côte d'Ivoire est passé de 3605 à 4165 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,53%. Je rappelle au passage que SICOR Côte d'Ivoire a brandi la plus forte progression hebdomadaire au niveau de la semaine boursière qui vient juste de s'écouler. D'accord. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez par la même occasion que ce titre affiche actuellement une chute de 62,48%. D'accord. Alors, ce qui fait la particularité de ce titre, c'est qu'en fait, cette entreprise n'a pas encore rendu public ses états financiers de l'exercice 2015.
Et en ce qui concerne l'exercice 2016, on n'a encore aucune information sur la situation financière de cette entreprise. Et malgré le fait que le marché ignore la Toutes ces situation, informations-là. ignore toutes ces informations, on constate bizarrement un mouvement de hausse subite, même je dirais, C'est ça. sur cette valeur. Alors, Alors la question, qu'est-ce qui voilà. justifie Qu'est-ce qui cela? justifie? Difficile d'expliquer ce mouvement, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'en fait, cette entreprise a du mal à travailler correctement actuellement. Parce qu'en D'accord. fait, la SICOR qui transforme les noix de coco, elle a du mal à accéder à ses sites. D'accord. Okay? Donc, les plantations de coco qui se trouvent actuellement dans la région de Grand Laou, au niveau également de la ville de Jacques-Ville, donc l'entreprise SICOR a du mal à accéder à ces sites-là parce que les riverains, en fait, les empêchent, en fait, empêchent les responsables de cette entreprise d'accéder à C'est ces si. champs pour pouvoir travailler correctement. Aller chercher la matière première. Exact. Donc, il y a un D'accord. problème. Il y a un problème. Et pour résoudre ce problème, l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué à fond. Et il y a eu un protocole qui a été signé entre les riverains, entre les riverains, l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise SICOR. Ce protocole a été signé en 2016, mais les responsables de l'entreprise SICOR ont constaté que les engagements qui ont été pris, les mesures d'accompagnement qui ont été promises par l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas encore été exécutés. D'accord. Donc, présentement, l'entreprise SICOR continue d'avoir des Le problème problèmes pour pour accéder à fonctionner ce site. correctement. D'accord. Alors, et cette entreprise qui était censée tenir son assemblée générale le 30 juin 2017, les responsables juridiques donc de cette société ont adressé un courrier dans lequel ils demandent que cette date soit prorogée jusqu'au 30 juin 2018. D'accord. Et au plus tôt, ces responsables demandent que l'Assemblée générale se tienne au 30 décembre 2017. Vous voyez? D'accord, Donc, d'accord. avant la fin de l'année, il n'est pas évident que l'entreprise SICOR tienne son Assemblée générale pour statuer sur les états financiers 2015 et également sur les états financiers 2016. 2016. On ne parle même pas des états financiers 2017. Vous Tout à comprenez? fait, oui. Juste pour vous faire comprendre que cette hausse que nous avons observée au niveau de la semaine qui vient de s'écouler, cette hausse-là est difficilement justifiable. Et eu égard à cela, nous pensons qu'il convient d'être vraiment très prudent sur D'accord. cette valeur. Il convient même de rester à l'écart. Et en termes de recommandations concrètes, nous pensons qu'il est important pour tout investisseur perspicace, il est important pour cet investisseur-là donc d'attendre d'avoir une situation financière claire de cette entreprise avant d'injecter ses fonds au niveau de cette valeur agricole. Mais monsieur Lowe, c'est Oui. difficile parce qu'on voit une valeur qui grimpe comme ça, on a envie, ça donne envie de l'avoir, n'est-ce pas? Non, Et non, voilà. il faut savoir analyser les choses parce que c'est vrai que la valeur grimpe, mais qu'est-ce qui alimente ce mouvement de hausse? Est-ce que ce ne sont pas certaines personnes peut-être qui vendent et d'autres personnes qui veulent acheter ces titres-là pour, je sais pas, le moyen terme ou bien le long terme, Donc, ok? il faut vraiment une analyse Il poussée. faut une analyse poussée, mais moi j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous investissez dans une entreprise, il faut tenir compte des fondamentaux Oh, oui. économiques, commerciaux, financiers, C'est ça. etc. Ok? Or, en ce qui concerne SICOR, Côte d'Ivoire, on a du mal à évaluer financièrement cette entreprise parce que ses états financiers ne sont pas rendus publics pour l'instant. Il n'y a aucune information, donc avis aux investisseurs. Il faut être prudent sur Jouer la la carte de la valeur prudence. SICOR Côte d'Ivoire, à Voilà. notre sens, C'est bien à notre compris, Lo sens. Damasson poursuit. Alors, la deuxième valeur à surveiller de très près, il s'agit du titre Solibra Côte d'Ivoire, qui a terminé la semaine en affichant une cotation de 139 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,92%. Alors, en termes de rappel, il faut savoir que cette société, qui, je le rappelle, évolue dans le secteur de la distribution des boissons Oui. alcoolisées, des sucreries, etc. Et donc, elle a terminé, cette société a terminé l'exercice, a clôturé l'exercice 2016 en affichant un chiffre d'affaires de 191,4 milliards de francs CFA. Donc, ce chiffre d'affaires a progressé de 3,99% en comparaison à celui de 2015. Oui.
Autre élément d'information, le résultat d'exploitation à fin 2016 a été de 36,5 milliards de francs CFA, soit une évolution de 22,68%. D'accord. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice qui a été dégagé par cette entreprise, est évalué à 27,6 milliards de francs CFA, soit une progression de 21,85%. D'accord. Donc en clair, Solibra a bien terminé l'exercice 2016. D'accord. Alors, le marché attend avec impatience la publication des états financiers du premier trimestre 2017. Mm-hmm. On attend par la même occasion aussi que les états financiers du premier semestre 2017 soient également rendus publics. Okay. Alors, Solibra évolue dans un marché, on dira, concurrentiel d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que Solibra est leader de tout ce qui est distribution de boissons alcoolisées en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et Solibra a pour challenger la société Brassivoire. Mm-hmm. Okay? Et ceux qui connaissent bien la ville d'Abidjan, ils ont certainement dû constater qu'il y a beaucoup d'affiches, il y a une sorte de guerre de communication entre Solibra et Brassivoire. Mm-hmm. Parce que Brassivoire est en train de pénétrer le marché. Brassivoire veut se faire une place au niveau de ce secteur d'activité. Donc la concurrence s'intensifie entre ces deux géants de la brasserie. Et en termes de stratégie marketing, la société Solibra Côte d'Ivoire vient de lancer une nouvelle marque de bière, à savoir BB City. Oui. BB City a été lancée il n'y a pas longtemps. En termes d'emballage, c'est une bouteille de 50 centilitres. Et en termes de taux d'alcool, on est autour de 4,6% d'alcool qui est donc contenu dans cette boisson. Mm-hmm. Alors nous pensons que le lancement de cette nouvelle marque de bière par Solibra pourrait contribuer à l'accroissement de son chiffre d'affaires. Et donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, cela peut être enregistré comme une bonne nouvelle par le marché. Mm-hmm. La preuve, on constate que Solibra a pris de la valeur au cours de la semaine. Et donc, nous pensons que les perspectives sont bonnes, malgré l'environnement concurrentiel qui prévaut. Et eu égard à cela, nous recommandons la valeur Solibra à l'achat. D'accord, c'est bien noté, Lo Damas. On va parler à présent des matières premières. D'accord, donc au niveau des matières premières, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1228,23 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,15%. Le pétrole Brent est passé de 47,79 à 48,87 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 2,26%. Et le pétrole WTI a achevé sa course en brandissant une cotation de 46,49 $ le baril, ce qui symbolise une progression hebdomadaire de 2,13%. Voilà, Lo Damas, je vous dis merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Pour toutes ces informations. Merci. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'accord. D'ici là, portez-vous bien, Lo Damas. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci bien. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission Business Matin spécial Bourse.